Alors que les Congolais meurent dans l'indifférence totale des autorités locales, le dictateur Denis Sassou Nguesso part en vadrouille dans la capitale française, dans un Boeing dernier cri, pour assister soi-disant à un sommet pour la paix et de la crise libyenne, alors que le Congo, le peuple congolais, vit dans une crise permanente. Plusieurs citoyens congolais ont trouvé la mort sur un site d'exploitation à Swanké. C'est une réaction à chaud. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Ces hommes et ces femmes qui sont morts n'avaient qu'un seul objectif, vivre dans la dignité. Aujourd'hui, le dictateur Denis Sassou Nguesso fait vivre le peuple dans l'indignité. Il y a de quoi se révolter. La révolte devient l'unique issue au régime du dictateur Mboshi.